Hop, hop. Parce que ça évitera qu'on switch dans 40 000 véhicules. Hop là, voilà. Ça, c'est la banque. C'est la banque qui avait un peu de budget à un moment donné quand on a arraché des arbres, t'sais. Et ça, c'est parce que je suis pas revenu dans ma ferme à moi, t'sais. Hop là. Du coup, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous vous retrouvons pour Banco Impôt in Neige. Nous sommes sur Bonne la période Texas. Impôt. J'attends de savoir combien on a pris de Banco. Bonne nuit, Texas. Le Suisse, faut qu'il arrête de râler. Oui, mais il râle toujours, le Suisse. Toujours, il râle. C'est pas vrai. Oh, mais arrête. On t'entend toujours râler. Tes problèmes de riche. J'ai appris ça de toi. Ah oui. Ah oui. Espèce de menteur. C'est pas vrai, en plus. Oh, tu parles. Du coup, on a pris combien en Banco, l'équipe, là? Hop là. Du coup, on va faire de la RTM. Voilà. On va activer ça. Et là. Tac. On va prendre du coup l'électrique. Parce que l'électrique sera peut-être mieux que le scorpion là sur le coup. Skizo, t'as toujours ta Zoé électrique? Oui, je l'ai toujours. J'ai toujours. Nous, je crois qu'il y a des bugs. Ça saccade. Reload, Naido. Moi, ça. J'ai pas d'erreur. J'ai pas d'erreur de saccade. Je suis plutôt fixe. Donc, tu peux reload au pire. Tu peux reload. Il n'y a pas de problème. Reload. Reload. Du coup, là. Bon, ben, j'aurais pas ma réponse. Du coup, je vais devoir regarder moi-même. Mais il y en a tellement que ça va être compliqué. Du coup. C'était quoi ta question? C'était combien on a ramassé de banco, là? On a ramassé 10, 20, 30, 40, 50, 50, 150. 150 000, on a ramassé. T'es sûr? Non, bah 50 000 apparemment, d'accord, ok. Ah oui, parce que j'ai compté Titoff en impôt tout à l'heure. Oui, non, j'ai rien dit. Ouais, donc 50 000. On a compté 50 000, pardon. Donc 50 000. 1, 2, 3. Tac. 4, 5. Hop, banco, hop, tac, tac. 50 000, hop, 1, 2, 3. Paf, paf, nice. Je retourne chez Roro. Pas chez moi, pardon. Hop là. Du coup, les budgets, ils sont à 487 000 contre 1 697 000. Il a plus d'un million 3 sur moi, quoi. Plus il avance et plus il me prend de l'avance, quoi. C'est un truc de fou. Et bah oui, mais toi et moi, on sait que ça peut très vite tourner. Oui, non, c'est bon. On l'a épuisé, la mafia. Merci, Juju, pour les 500 bits. Merci beaucoup. Putain, cette barre est proche. Très, très, très proche, là-bas. Du coup, rappelez-moi que je fasse pas de conneries, là. Conneries. Si je mets... Il faut que je mette une paille. Donc ça, c'est de l'ensilage. Donc on va le laisser là pour le moment. Je vais essayer de ranger ça, qu'on soit opérationnel. Ça, je peux balancer tout d'un coup. Tac, voilà. Quoi neuf? Bah, ça va bien, ça va bien. On est à 3 points. Donc 300 bits, c'est. La barre est pétée. Vous pouvez remettre un banco impôt. Lol. Soyez pas trop énervé. Voilà. Bah, il est ami Juju. GG Juju! Juju qui fait péter la barre! Du coup, Juju, dis-moi tout! Banco, impôt, schizo, roro, la mafia bretonne, le pauvre patriote français, du coup. Juju, je sais pas pourquoi, je sens l'impôt roro. Impôt roro, voilà. Et la mafia. Impeccable. Impeccable. Ben, c'est parfait, ça. Impôt à roro à 100 000. Merde, putain, il me l'a avalé, quoi. J'en l'avais dans la main, il me l'a reprise. Hop là, une petite balle de paille. Je vais aller mettre le impôt à Roro tout de suite, du coup. Hop, on repasse par là. Voilà. Hop, 100 000 euros en moins. 1, 2, 3. Voilà. Eh ben, c'est bien fait. Tiens, mange. Mange. Oui, oh, bah, ça va, c'est pas trop mauvais. Tout va bien. Ouais, c'est pas trop mauvais. Fais pas le malin. À combien, tu vas voir. Quoi? Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé, chef? Et 360 spins électriques. C'est impeccable. J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Bon Dieu. Ah ouais. Vive là, farming. Souci, là. Je code avec le cul. Vous avez vu au fait que depuis mise à jour. Depuis la mise à jour, ils ont remis quand vous êtes à côté d'une mélangeuse. Vous avez vu? Du coup, c'est pas dégueulasse, c'est pas piqué des hannetons. Tu sais que j'ai un doute là. J'ai un gros doute dans ma connerie.
Je crois que c'est une balle de foin, une balle d'ensilage. Je vais prendre la balle d'ensilage, je vais la mettre dedans. Hop là. Ceci s'appelle un coup de foudre. Ah, carrément. Carrément, ça s'appelle un coup de foudre. Hop là. Alors attends, bouge pas. Hop. Allez. Je vais me refoutre dedans, tu vois. Tombe dedans, chef. Voilà. Du coup, là, on n'est pas dégueulasse et ça va être plein. Donc oui, c'est une pour une. C'est bien ce qui peut, bien ce qui me semblait. Par contre, j'aurais plus de paille à un moment donné. T'sais. Alors lui, je vais le replacer. Hop. Tac, il va me faire des babales. La babale. La babale d'RTM. Directement dedans. Voilà. Hop là. J'adore mon système. Je kiffe trop, tu sais. Tadam, tadam, tam. Quoi qu'il va, il va toujours rester un minimum de paille parce que vu que je fais comme ça, on te dire que... En fait, je perds pas de temps. Je perds pas de temps, tu sais. Regarde, ça se vide à chaque fois. Ça se vide direct. Hop là. Les balles les plus rapides de Mexico. Pourquoi Mexico? Tu vois, l'électrique, c'est un coup... C'est merde. Tu vois, l'électrique, c'est de la merde. T'as pris un coup de jus. Moi, bon, j'ai pas pris un coup de jus. J'ai pas pris un coup de jus. Hop. Oh, ça vide encore, je crois. Merde. Ouais, ça vide encore. Ça l'a pas rempli, du coup. Le karma. GG qui clip. Hop là. Ça fonctionne. Ah, il me faut une balle de paille. Une petite balle de paille. Viens là, parce que... Hop là. Et celui qui me dit que j'utilise la super force, c'est pas vrai. Hein. Les petites comme ça, vous les pouvez les porter à la main. Je vous le dis tout de suite. Hein. Du coup, ça s'est vidé, ça. Ouais, ça s'est vidé. C'était sûr. Donc ça, c'est des balles de RTM que j'ai à droite. À droite de moi, là. Celles qui sont en train de sortir, là. Des balles d'RTM. Et pas des balles d'ensilage, même si elles ont la même texture. Le même film. Mais franchement, c'est pas dégueulasse comme ça. J'aime bien. J'adore les faire comme ça, moi. Franchement, je sais pas si vous faites pareil avec ceux qui ont le Goel. Et le Goel, je l'ai pris juste pour faire de la RTM comme ça, tu vois. J'arrive, impeccable. Hop, je charge. Hop, je mets dedans. Je suis tout content. Mon dieu, je sais plus conduire. Ouais. Bonsoir. C'est normal, c'est normal. Hop là. Du coup, oui, il faut que j'enlève la RTM parce que du coup, on ne peut plus sortir de balle l'histoire. Hop là. Sortons. Mettons ça dedans. Hop. Tac. On va prendre la prochaine. On va mettre dedans aussi. Là. Bonne soirée, Pig. Merci beaucoup pour le début de modo, Pig. Merci beaucoup à toi. Merci, merci. Du coup, il faut aller vider. Voilà. Talang, ça vide dedans. Impeccable. On va te mettre une petite baballe de foin-foin. Elle est où, la baballe? Là. Et en plus, j'économise de la paille à faire comme ça. Parce que si j'arrive avant que la RTM soit vidée, j'arrive à remplir avant que la RTM se vide, normalement. Tu vois, bon, là, je suis en mélange positif, mais tu vois, ça a coupé le truc. Ah, mais il n'y a plus de paille. Ah, c'est pas marrant. Ah, plus de paille. Ah, pas calculé comme je voulais. Ah, plus de paille. Il faut que j'en remette de la paille. Par contre, je vais avoir un problème de foin. Et des foin, on vient bien en refaire de foin. J'avais pas, ah, oui. J'avais pas sorti assez des balles. J'ai pas assez sorti de balles de foin. Ah, bah si, c'est bon. Regarde, tu vois, ça recrache. Automatiquement, ça recrache. Dès que ça repart en assillage, ça recrache. Par contre, je me suis bloqué dans mon truc là. Hop là. Impeccable. Franchement, qui c'est qui fait ça? Qui c'est qui a tenté cette technique là? Faire des balles d'ensilage comme ça? Non, mais toi, non, bah toi, déjà avec un télescope, c'est compliqué. Alors, je te vois pas en train de faire ce que je suis en train de faire. Vraiment! J'y crois pas un poil. Bah, t'as raison. Il paraît que maintenant, dans les trucs à balles là, on peut même mettre les palettes, l'engrais, tout ça, les big bags, dans le. Ah, les boîtiers de stockage là. Je sais pas si vous avez confirmation le chat là. Mais si vous voulez bien me confirmer le truc là, je suis curieux de savoir. Apparemment on pourrait. Hop, dernière balle de paille. Après je peux le faire sans paille quoi. J'aurais pas le choix.
Bah moi, mais seulement IRL pour les balles d'ensilage. Ouais. Oh non. Un peu compliqué. Ça, il me reste du foin. Hop, on va faire 10. 10, démarrer. Hop là. Voilà. Du coup, une balle d'ensilage. Oh, calme-toi là, Martine, là. T'énerve pas. Voilà. C'est moi ou on voit rien là. J'ai l'impression de voir rien là. Comment ça, voir rien? C'est sombre. Il neige, c'est trop sombre. Oh, j'ai un coup de lag. Hop là. Alors, je vais essayer de ravancer un peu le temps. J'ai l'impression quoi que dalle. Hop là, RTM. Allez, mais fous-lui la paix au temps, ça va très bien. Et le temps, j'avance juste le temps, c'est juste pour la luminosité. Ouais, bah moi je vois très bien. Et toi, tu vois très bien, mais. Oh, t'as une gueule. Fais chier, lui. Faites rester tranquille là, le ronron là, le ronron industrie là. C'est bon là, tu te calmes. Non, Roro Bank, s'il te plaît. Roro Industrie Bancaire. Hop là, et encore plus rapide là. Allez, zou. Alors, on met les deux dedans là. Tu, tu, tu. Tac. Là. Voilà, on a du rab. On va pouvoir virer. T'en bouge pas, je mets en route le truc là. Ah bah non, je peux plus passer là. J'ai passé tout à l'heure, mais là je passe plus. Hop, on se remet la RTM dedans. Bonsoir, Couti officiel. Bonsoir, bonsoir. Du coup, ça, c'est à rentrer au stockage, c'est de la RTM. Hop, impeccable. Il va me manquer de l'ensilage à la fin, c'est sûr. Bah oui. Ah ouais, c'est sûr et certain. De toute façon, oui, il va te manquer un truc, de toute façon. Ah bah, au bout d'un moment, oui, il va me manquer un truc. Hein. Mais bon, on aura un peu de rab. Oula, qu'est-ce qu'il y a, Fredo? Sur TikTok, il y a le message de la Roro Bank. Allez voir et abonnez-vous. GG. La Roro Bank, il y a le message. Ah oui, si, je l'ai vu, le message politique sur TikTok, là. Il est passé sur TikTok. Je l'ai vu. La Roro Bank Industrie. Ah ouais, faut que tu le regardes. Check mon compte Discord. Quand j'ai vu ça, j'étais pété de rire, tu sais. Il dit, putain, l'envela, il a osé. Il l'a fait, bord derrière. Démarre. C'était impeccable, quoi. De quoi, la fois où j'ai dit, mes chers compatriotes, faudra m'aider parce que je suis dans la merde? Ouais, c'est ça, ouais. C'était tout à fait ça. Comment tu vas, Coty officiel? Bienvenue parmi nous. Putain, je sens que je vais faire une catastrophe, là. Non, c'est bon. Hop là. Oh là là. Bah, GG, l'embella. Ah, un clipper fou. Franchement, il bosse bien. Il bosse très bien, petit l'embella. D'ailleurs, l'embella, je sais pas si t'as vu mon MP. Non, tu m'as pas répondu. Mais si t'as un souci pour l'OPK4, je peux filer un coup de main hein, pour TikTok. T'as besoin. Ah, super, et toi? Bah écoute, on n'est pas dégueulasse, on est bien, on est au calme. On fait un petit truc de merde, mais ça va. On fait de la RTM, quoi, gentiment, quoi. Voilà. Hop là. Ça c'est bon. Maintenant, faut aller faire ça. On est en version impôt avec les points de chaîne. Les viewers ont été sages. La mafia bretonne. La mafia bretonne m'a pas trop dégommé ce soir. Donc, a pas donné trop d'avantages non plus à Roro. Donc, non, ça va. On est au calme. On est sur une petite soirée gentille. Ou calmiou. Tranquille. Hop là. Et là, hop, c'est reparti à l'ensilage, regarde. Alors en plus, c'est vidage automatique, tu sais. Dès que t'as de l'ensilage, il vide automatiquement le truc. Je trouve ça qu'ils ont bien foutu le machin. Franchement, le go well, couplé avec le stockage, plus la RTM à faire derrière, franchement, c'est impeccable. Impeccable de fringue. Hop, on va regarder combien de balles de RTM j'ai, parce qu'avec les deux enclos à vache, comment te dire que... J'en bouffe un peu, mais normalement, j'ai un peu de rap quand même, tu sais. J'avais plus grand chose, hein. Les 12, on les avait bien mangés. Hop. J'ai une balle d'ensilage qui reste là-haut, mais elle va me faire chier. Ouais. Ouais, elle va me faire chier. Hop là. Ouais, je l'ai vu, je bosse de nuit. Les deux prochains jours, j'aurai un peu de temps pour le continuer. Ok, pas de soucis.
Bah tu me tiens au jeu, si t'es emmerdé, on peut faire une passation de pouvoir. Hein. Il y a une balle de foin qui traîne au milieu d'un champ. Oui, c'est la mienne. C'est la balle de foin, yeah. Toujours la mienne. T'sais. Ouais, puis après, tu te plains que t'as pas assez de foin. Non, c'est pas le foin qui va me manquer. Là. Enfin, je pense pas, il faut que je regarde. Et je vais peut-être manquer de rien, je dis ça, mais je dis rien, mais peut-être manquer de rien. Mais ouais, Lambella, si vraiment t'es emmerdé, n'hésite pas, tu me bipes et on se tient au jus, je te file un coup de tête. Ah, pas de soucis, ça reste normal. Hop là. Ah, pas de soucis. 10h40, on croirait 22h40. Ouais, mais carrément, tu sais, il avait fait une nuit, mais apparemment, Roro, il a une meilleure vue que moi, tu sais. Lui, il a pu s'acheter des lunettes, pas. Moi, j'ai pas pu, tu sais. Moi, j'étais trop pauvre pour m'acheter des lunettes. Ouais, toi, c'est remboursé par la sécu, je sais pas ce que t'as foutu. Je suis pas remboursé par la sécu, mais je suis pauvre. RSA, poteau. Petit taré, et remboursé par la mutuelle. Oui, si je veux bien, comme toi, tu vois, c'est remboursé par la mutuelle. Sécu, c'est tiers payant. Il va me la... Et t'en veux avec notre sécu française, toi. Si t'arrives, ils t'ont fâché, t'es dégoûté. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Quoi, ça marche plus, ça? Ah, c'est reparti. Hop là. En parlant de GoWell, je pense prendre le DLC pour le 4 mai pour ton serveur Welcome ou t'es en Wyoming. Ben, y a pas de soucis. Y a pas de soucis. Au contraire, ça fera plaisir. Y a vraiment pas de soucis. Oui. Bouge pas. CapCut a fait une bonne mise à jour sur PC, donc plus facile à travailler. Ouais, moi, Premiere Pro, c'est pareil. Premiere Pro, franchement, ils ont fait une mise à jour sur l'IA. Tu fais des trucs de taré avec. Quand je te dis des trucs de taré, c'est vraiment des trucs de taré énervé. N'importe quoi. Ah, c'est là où t'as fait le YMCA, là? Non, non. Non, j'ai pas fait de YMCA. Non, tu peux faire tout ce qui te prenait une heure à faire en découpage, en cut et en changement de caméra. Maintenant, tu peux le faire en IA, quasiment en instantané, quoi. Ça te prend 3 minutes, 4 minutes suivant ta bande, quoi. C'est un truc de fou. L'IA, ça va devenir trop fort. L'IA, c'est énervé, quoi. Quand je vois déjà ce qu'on s'amuse à faire, d'ailleurs, il faut que je reposte sur Instagram. Là. Je suis amusé à faire mon portrait en IA, avec plein de générations dans des styles différents. Quand je vois ce que ça sort, j'ai putain, même un graphiste, à l'époque, ça m'aurait coûté peut-être 100-150 balles à le faire. Là, le truc, il te le fait en 2 minutes, quoi. Là, j'ai un... Et gratuit. Et gratuit, ouais. Et là, j'ai peut-être un nouveau logo de chaîne, là, qui va tomber d'ici peu, là. Je suis en train de le travailler. Franchement, ça va être pas mal. Ça va être sympathique. Ouais, tu vas changer le logo de ta chaîne. Oui, ça va être un logo beaucoup plus réaliste en manga et par moi. Et qui me ressemble. Parce que celui-là, j'ai pas de lunettes, moi. Donc, il me ressemble pas vraiment. En manga? Ouais. Ouais, tu vas voir. Tu vois. Je le poserai sur Discord avant. Tu sais. Je crains le pire. Mais non, mais ta gueule, toi, méchant. Crains le pire. Schizo, 100 bits, 100 euros, ça représente quoi? J'en sais strictement rien. 10 balles, si mes souvenirs non, sont non, pas bons. 100 bits. 100 bits, 100 euros, non, je sais pas. Ça, non, ça fait 1. Ça fait 1,40€, 1,30€, non, c'est pas ça. C'est pas... Il faut le calculer, les gars. J'en sais strictement rien. Enfin, moi, je sais que dans la poche, c'est pas grand-chose. je pourrais te dire pour un prime, c'est 1,40€. Alors que vous payez... Enfin, pour le prime, vous payez rien. Pour un sub, je veux dire. Pour un sub, c'est 1,40€ dans ma poche et c'est 5€ que vous faites. Après, 100 bits, c'est ouais, 1,70€, en taré dit. Donc, ouais, non. Après, à voir comment ça se passe. À voir vraiment. Après. 180€ de dons de la mafia bretonne. Aujourd'hui, les ZH. GG. Merci beaucoup. Merci énormément pour le soutien pour la chaîne, du coup. Il y a un but dans votre carrière ou c'est juste une carrière normale? Alors non, il y a plus qu'un but. Il y a un débat, il y a une politique. C'est la Suisse contre la France. C'est banco contre impôt. Donc non, en fait, si tu veux, vu que tu viens de débarquer, c'est vrai que t'es nouveau sur la chaîne. Je t'explique un peu. Si t'accumules assez points de chaîne, si tu regardes dans mes points de chaîne, tu vas retrouver en fait tout simplement des cagnottes où tu peux cagnoter 10 000, 50 000 et 100 000 euros avec les points de chaîne. Ceci est rajouté par tranche de demi-heure. Tu vois les visuels en haut, impôt, banco, impôt, voilà, tu vois ce qui clignote. Et ben ça en fait, si tu veux, toutes les demi-heures ça change. Donc tu peux participer avec les points de chaîne. Maintenant t'as la barre centrale au milieu là, qui marche avec les bits, avec les subs, avec les dons, qui sont sur une tranche de, là je sais plus à combien elle est à 12 je crois. Ouais, elle est à 12, sur 30 niveaux, voilà, renouvelable. Et du coup, derrière, bah, quand tu fais péter une barre,
tu peux mettre un avantage ou un désavantage à une hauteur de 100k à moi ou à Roro. Voilà. Donc il y a une... Y a un farming spécial, voilà, il y a une thématique farming basique. Donc on joue pour jouer, tu vois. Mais il y a aussi le fait que vous pouvez éclater complètement nos budgets. Un peu comme la BZH qui m'a foutu à moins... 1,4 million. Ouais, moins 1,4 million, ouais. Avec une paire de dons et qui m'a éclaté mon budget. Et du coup, il a été gentil quand même. On peut remercier la mafia bretonne quand même, minimum. Parce qu'il était gentil parce qu'il avait remonté Roro énormément en banco. Et du coup, derrière, Roro, par vote de la communauté, a dû me rendre 1,4 million de budget. Ça, c'était pas dégueulasse. C'est un concept innovant qu'on voit nulle part et que personne n'a fait jusqu'à maintenant. Et du coup. On a eu cette idée avec mon ami qui est à ma gauche là, donc Roro qui va bientôt être streamer professionnel. Du reste, n'hésitez pas hein, si vous voulez déjà aller vous abonner à ma chaîne, comme ça vous ne loupez pas. Point d'exclamation Sfita, allez voir Roro Sama, Sa Majesté, hein. C'était pas pour autre chose. Hein. C'était Roro Sa Majesté. Hein. C'est juste qu'il n'a pas osé par question d'orgueil. Il n'a pas osé. Impériale. Ouais, Sa Majesté, ça va très bien. Sa Majesté l'emmerdeuse, moi je l'appelle, moi, sur Final Fantasy. Voilà, c'est exactement ça, Sa Majesté l'emmerdeuse. Roro, Sa Majesté l'emmerdeuse. Eh, c'est quand qu'on refait du Warship, Roro? Bah, on devait pas y aller avec... Avec Yoshi. Avec Yoshi? Ouais, je sais pas, on sera peut-être une session en dehors stream basique. Session Warship. Putain, je vois Laurie, elle tourne bien sur Warship. Hein. Bon, les community contributeurs, mais... Putain, je l'ai vu cet après-midi, je suis passé la voir. Je suis passé la voir cet après-midi, 250 personnes sur Warship. J'étais étonné, j'étais choqué. Quoi. Bon, après, c'est comme moi quand tu viens me voir en sortie de farming, que je suis à 200 ou 300. Ouais, les gars, c'est pareil, ils doivent être étonnés aussi. Waouh, autant de monde sur farming, mon dieu. Merci, Tatsumi. Merci pour le niveau 1, merci beaucoup. Merci énormément. J'aurais pensé Roro, le riche suisse, sa chaîne. Non, Roro Sama, ça va bien, parce que t'as plein de jeux de mots à faire derrière. Et si les viewers sont un peu trolleurs comme les miens, tu vois, ça aura vite fait de dégénérer, tu sais. Ça aura vite fait d'être marrant, tu sais. En kikinèse impériale pour Roro, toi-même, tu sais. Bah oui. Voilà, c'est de l'impérialité, mais complet, tu sais. Mais vraiment. Des barres. En tout cas, c'était marrant. C'était bien marrant. Hop là. Oh, pourquoi j'ai planté? J'ai planté, cherche pas, j'ai planté, je peux plus ratoucher. Ah non. Oh, comme tu t'es vautré. Bah ouais, le truc il voulait pas freiner. Il était pris en accélération, il voulait pas s'arrêter quoi. Et lol quoi. Je croyais que j'avais planté, j'étais persuadé. Oh là là. J'étais persuadé que ça a planté, tu sais. Ça m'a zoogiste. Bon bah écoute, hein, c'est toi qui veux me voir en robe, hein, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est moi, non, c'est pas moi, c'est tes viewers. Ah, les viewers sont pas prêts. Une vidéo déjà. Alors, mais moi j'ai déjà vu ce qu'ils ont en robe, ça vaut le détour. Franchement, ça vaut 1000 euros. Oui, ça. Pff, ouais, bah, t'es taré. Ça les vaut pas. T'es... Ça les vaut pas du tout. N'investissez pas là-dedans en espérant avoir. Vraiment. Je respecte mes paroles parce qu'on l'a toujours fait. Hein. La preuve, hein, le défi en est que. Si je suis terminé une fois en robe, c'était pour un défi à la con. Mais oui, voilà. Je sais plus comment on était arrivé. Bah, c'était le défi avec Rasta, ça s'était engrainé là. Au départ, on était parti en séance. Jeu mignonne. Après, c'était la cuisine. Et après, les viewers lui ont dit tu te maquilles. Et du coup, moi, je me retrouvais en robe à Carrefour. Quand les gars, l'équipe de la Svita était à la maison. T'sais. Oh, c'était engrainé quoi. Ah mon dieu. Non, je dirais pas où j'habite du coup Fredo, là tu me fais peur. T'habites où Schizo? Que je passe te voir en camping-car, je t'emmènerai de la Mirabelle. La Mirabelle. Non, j'ai peur. Quand on parle des sujets comme ça, faut pas me demander mon adresse, ça fait peur. Je suis dans le Cher. Maintenant tu te démerdes. Et encore, franchement, mon adresse n'est pas un trou. Ça c'est sûr et certain. Remboursé. Remboursé? Pourquoi remboursé? Remboursé! Moi j'aurais passé un épisode complet à faire des va-et-vient que j'en ai abîmé la route quoi. Bientôt je vais creuser là. Tellement que j'en ai abîmé le truc quoi. Ah moi ça les allers-retours. Hein.
T'en es où, Roro, là? Ah oui. Ah oui, j'ai encore ça à faire, oui. Ah, t'as pas fini encore? Putain, mais je vais pas faire de l'ensilage pendant... Enfin, de, des bottes d'RTM pendant 20 ans. Mais, c'est, mais tu fais ça très bien, patron. Mais non, on va passer au bois, si ça continue. On peut retrouver les modes, quelque part. Les modes qu'on utilise là, là, on est quasiment full d'origine. Enfin, full vanilla, quoi. On a, qu'à, on a pas de mode. À part la carte modée avec ses bâtiments. Donc c'est Celandra, la carte. Mais non, on n'a pas de... Je crois pas qu'on a de mode spécial. Bon, il y a juste le mode facture. Bah après, c'est du DLC farming, mais non, non, on n'a rien. Le mode invoice pour les factures, ouais. C'est tout, ouais, non. On a l'easy dev pour se rajouter de l'argent quand les gars, ils claquent des bancos ou impôts, mais sinon, non. Non, pas du tout. Merci pour le prime, 5e mois, Damfew. Merci beaucoup, merci pour le soutien, frérot. C'est gentil, merci beaucoup. Merci, non mais bah! Merci, merci, merci! Bon, allez, dernière RTM parce que j'en ai marre d'en faire. Ouais, moi j'ai juste un aller-retour. Schizo, il habite. Un aller-retour au shop. Stéphane et... Stéphane est cher. J'étais en train de chercher. J'étais en train de chercher la rêve, je l'avais pas tout de suite dans ma tête. T'as plus qu'un aller-retour à faire? Bon, bah je rentre mes balles dans le silage, alors on va arrêter le Go-Well là. Ça sera très bien là. Je vais regarder combien j'ai fait de balles du coup en un épisode, en une demi-heure. Là. Arrête de crever! C'est fini, t'es plus covidé! Je crève si je veux d'abord. Non! J'ai besoin de toi! Mais moi aussi je t'aime! Je t'aurais à peine lancé que tu seras déjà mort, ça serait dommage! Ouais, ça, ouais, ouais, ça serait moche! Hein. Ça serait dommage! Hop là! Et tonton, pourquoi tu tousses? Je te dirais bien un truc, mais. Vas-y, baisse-toi, je vais te montrer pourquoi ils toussent. Ah non. 23h passées, 23h passées, c'est bon, on voudrait pas. Oh, qu'est-ce que j'ai fait avec ma souris? Le RPM qui est monté trop haut. Du coup, on a fait quand même 22 balles c'est... de RTM. Bah, c'est pas dégueulasse, on a un peu d'avance. Hop là, on va laisser le classe là. Pas dégueulasse. Du coup, ça, ça va être rangé. Non, Roro, pas maintenant. Pas tout de suite. Ouais, laissez-lui le temps de faire un stream, tu sais. C'est un peu comme YouTube, tu sais, il chope sa monétisation avant d'avoir une seule vidéo de sortie, tu sais. Mais non, pas maintenant, t'enfuis pas, reviens. Peut-être que du coup, maintenant, il me mettra les rediffs sur YouTube quand il va streamer, tu sais. Du coup, sa chaîne à 1000 abonnés, elle sera pas perdue pour rien. Il va avoir plus de vues que moi, sur la mienne qui a 35 000, tu sais. Mais non. Aussi, tu vas voir. Alors là, je suis prêt à parier. Ah, moi, je suis sûr que non. Ah, moi, elle est baisée en référencement, ma chaîne. La chaîne YouTube, franchement, si j'avais pas une communauté aussi fidèle à regarder les rediffs, qu'ils aillent chercher les vidéos, parce que je suis sûr qu'ils sont très peu à avoir les notifications, franchement, je ferais rien. Je fais strictement que dalle. Je ferais pas de vues. J'en fais déjà pas. Je fais déjà des moins des 1K en ce moment. Moins d'un K. Donc non, non, c'est calme. C'est calme de chez calme. Je vais passer pas loin de chez toi fin juin. Bah ça tombe bien, je suis pas là. Non, fin juin. Ouais. J'ai pas de rassemblement prévu encore cette année pour les viewers. D'habitude, j'ai toujours une Paris Games Week, un truc comme ça, mais là... Non, je l'ai pas. J'en ai pas, là. La TwitchCon en Allemagne, je vais partir avec Roron, on va aller faire un tour. Roron fera mon traducteur. On va aller emmerder Giant, d'ailleurs. Ce serait pas dégueulasse. Qu'est-ce que t'en penses, Roron? T'as envie de venir avec moi? Ouais, on va casser c'est les couilles à... C'est quand la TwitchCon? Je sais pas. Je sais que c'est en Allemagne. Je crois que c'est mois de juin ou juillet. Alors cette année, moi, ça va être mauvais karma. Bah oui, je sais. Toi, t'as eh, le... J'ai l'arrivée du petit. Bonjour. Pourquoi je peux pas... Ah oui, j'étais mal placé. Alors attends, on va faire la deuxième. Je vais faire tomber une balle là parce que ça va être le bordel sinon. Hop là. Par contre, le lisier, il va falloir que je fasse quelque chose avec lisier fumier parce que... La paille, c'est parti, paillage. La paillouille. Oh, il faut que j'essaye le dashboard live. Putain, je voulais le rajouter ce soir, je l'oubliais. Le dashboard live. Il faut que je le rajoute. Et dire que tu faisais un live sur sa chaîne YouTube. Ouais, sa chaîne Twitch. Non, non, il faisait des lives sur ma chaîne Twitch. À une époque, ouais, c'est lui qui liveait Twitch. Vous rendez compte? Oui. À l'époque, oui, j'étais pas oui, encore oui. Sur Twitch, d'ailleurs. Je faisais que des lives YouTube. Ah, YouTube, c'est en pourparler. Je vais peut-être en refaire un de temps en temps. Voilà, un truc comme ça. Mais juste, voilà, tu sais, ça. Je sais pas encore. T'as un concept à la con.
Je sais pas. Je sais pas comment. J'arrive pas à trouver de concept comme je le veux en fait pour le. Pour YouTube, c'est ça le problème. Sinon, je l'aurais déjà fait. Il fut un temps où je streamais sur YouTube pour toi en fait. C'était mon point de vue, puis c'était toi qui animais. Ah oui! Ah oui, mais ça date! Ah oui, c'est vieux, alors ça c'est clair. Hey Roro, ça t'intéresse pas? On monte une chaîne YouTube tous les deux. Les aventures de Schizo et Roro. Et on se prend un jour, on fait un stream avec avec juste des jeux au hasard comme ça, tu vois, en collab. Je sais pas pourquoi, c'est sorti comme ça de mon chapeau. Et là, vu la gueule qu'il fait, parce que je vois le retour caméra, il dirait pas non, le salaud, il dirait pas non. Je les connais, tu sais. Ah bah oui. Non, on va attendre que tu grossisses, que tu sois en entreprise, et après on se mettra en associé sur la... sur cette chaîne-là, tu sais. Ah là, là, ça pourrait être intéressant. Tu avais fait pour toi du Roro sur le zoo, oui. Oui, il avait fait, il a fait le zoo, il avait fait tout ça. J'ai fait du Planet Zoo, j'ai fait du Rome Total War, Trois Royaumes. Ouais, j'ai fait plein de trucs que les jeux, j'ai fait plein de trucs que les gens n'avaient pas regardé. En fait. Bah carrément, il y avait plein qui n'avaient pas regardé. D'ailleurs, j'ai dégoûté pour lui, mais après, je vous dis ça, je vous dis rien, mais les vidéos sont toujours sur YouTube. Toujours sur ma chaîne. Elles sont en répertorié, il faut les retrouver, mais elles sont toujours là. Bah elles sont sur ma chaîne aussi. Ah non, sur ma chaîne c'est Warship. Ah non, sur ta, ouais, sur ta chaîne c'était Warship, ouais. Ouais. Non, Dragon Quest, les trucs comme ça que tu faisais, c'était sur la mienne. Je pars en road trip 3 semaines en juin. Putain, mais pourquoi je peux pas mettre la paille ici là? C'est quoi ce délire là? Moi j'étais là, c'est vrai? Zemfu, c'était là? T'en rappelles? C'était monstrueux. La grande époque, ça. L'époque de tuerie, tu sais. Bon, je veux... bon, bah, tu peux avancer le temps pour moi. Bon, bah, tu sais quoi, c'est la fin de l'épisode. Je suis pas sûr qu'on avance le temps. On avancera le temps. Prochain truc, tu sais. Dans 2 semaines. Non, ah non, bah, il t'arrête. Dimanche prochain. Il fout. Ah oui, malade. Pas dans 2 semaines. La semaine prochaine. Sauf que ça sera dimanche, le Banco Impôt, les gars. Ça sera dimanche. Du coup, on est de nouveau en intermission. Dites-moi. Oui. Dites-moi combien on a perdu d'argent sur l'impôt. Ta gueule. Arrête d'être désagréable comme ça tout le temps en fin de live. Là, en tout, trop de live. Là. Truc de fou. T'es. Moins 70 000. Voilà. J'ai rien fait, moi. Si, si. Moi, je suis gentil. 1, 2, 3. Moins 70 000. Nice. Roro, on va peut-être lui enlever son argent aussi, lui. Hein. Moins 70 000. Mais toi, t'as tellement d'argent, mais pourquoi t'investis pas, quoi? Espèce de rapia. Tu veux que j'investisse dans quoi? Ah, je prends déjà 15 bombes à tout faire. Et ben justement, achète du matériel plus grand. Ouais, puis comme ça, je vais perdre 3, je vais perdre 15 plombes à faire des trajets. C'est bien, mais. Oh, t'es sérieux? Ah, très. Ah, je comprends. Je comprends, ok. Du coup, mesdames, messieurs, j'espère que cette série vous plaît. Et on n'hésite pas à aller voir KKG, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Allez le voir, cliquez sur le lien, comparez avec... Patron, mute, là. Non, je mute pas. Ça fait peur. C'est pas gentil, Mika. Du coup, oui, cliquez sur le lien de KKG. N'hésitez pas à aller le voir. Vous êtes intéressé au site? Je vous donne ma parole, ça fonctionne. Voilà. Après, je suis pas dans les aléas des problèmes récurrents de paiement ou de trucs comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, moi, pour moi, ça fonctionne à 100%. Et je m'en sers tous les jours pour l'équipe de la Sfita et pour moi. Donc, j'ai pas relevé de problème. Ne vous inquiétez pas que si j'ai un problème, je vous tiendrai au courant. Voilà, vraiment. Vous savez comment je marche. On avait marché pareil pour Gportal. Et regardez, aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on travaille avec eux. On n'a jamais eu un souci, quoi. On dira merci à BZH, merci à la commu, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont donné ce soir. On se dit à la prochaine avec ce qu'ils ont. On se retrouve dimanche pour du Valheim avec l'équipe Sfita. Des bisous. Bye bye tout le monde. Ciao. Ciao, bonsoir.